start of the season, we have a lot of rookies, like 10-man roster. It was all very new. Taking over for I Will Dominate is Dardoch in the jungle, and playing support today is going to be Matt. We already have existing synergy with Dardoch. That's the hammer shot. That's an impact possibly going down, but he stays alive. It goes under the turret. Team Liquid's been waiting for a fight this whole time. Me and Dardoch were like the macro players. We're trying to set up how to do the lanes, how to set up the team fights. Conquan's down for crowd control and support. Moon's in a real bad spot. He goes down, and Liquid in and out. The decision was already made for Dardoch to play. He was known for being like, you know, a clutch player on stage. I think Matt proved that he's up here because he's just as good as LCS players. Conquan, Unbreakable Will is on. GBM ult comes in. There's going to be a TP on that as well from Impact. Whoa, GBM gets absolutely deleted. Matt again finds a great backline tempered bait. I don't think anyone should be surprised when we end this split in the top two. Et bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette soirée de LCSNA, deuxième soirée de la troisième semaine des matchs en veux-tu, en voilà, on est là jusqu'à une bonne partie de la nuit, hein, jusqu'à 2h du match généralement, peut-être même plus tard, qui sait, nous sommes en NA, tout est possible. Pour cette première game, je serai accompagné de Hayley. Hayley, la pêche? Oui, tout à fait. Oui. La pêche, la frite, la banane, on est parti du coup pour cette deuxième soirée d'LCSNA cette semaine, tout simplement avec un petit Team Liquid. Team Impulse pour commencer, l'ancien derby de seconde zone, on va dire, de l'année dernière. Ouais, où il y avait Xiao et Xiao, Rush, il y avait Impact, et de l'autre côté, il y avait Piglet, Phoenix, il y avait du monde. Il y a un peu moins de monde cette année, ouais. De part et d'autre, mais ce sont deux équipes qui sont en train d'atteindre leur pic de puissance, leur rythme croisière dans ces LCSNA. Les Impulse qui sont sur une série de 3 victoires consécutives. Les Liquid qui ont réussi à s'imposer contre les NRG hier, qui marquent un coup d'arrêt, hein, deux défaites consécutives pour les NRG. Donc oui, hein, les assets ne sont pas à jour puisqu'on n'a pas tenu compte encore des résultats des matchs d'hier. Oui, bien évidemment. Et puis Dardoch aussi, toujours cette petite erreur. Il a la tête d'Awil Dominate un petit peu, Dardoch, mais c'est pas grave. Donc voilà, Liquid contre Impulse, c'est une grosse rencontre de début de soirée puisque deux équipes qui veulent essayer de rentrer, d'ouvrir la porte du top parce qu'il y a un gros ventre mou, hein, le CSNA Yeli. Ouais, effectivement, c'est deux équipes en fait, qui sont vraiment au milieu du tableau. Hein. C'est la deuxième année qu'elles sont comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un petit NRG contre TSM, Zab, autre NRG... game du ventre mou. En fait, les NRG qui sont en mal de confiance, ils ont bien commencé contre les Dignitas, les NRG, ils ont confirmé sur une deuxième game, ils sont arrivés aussi sur une troisième game, je crois, et ils sont arrivés à 3-0 contre les Immortals, ils perdent contre les Immortals, ils arrivent, ils se disent on doit se rassurer contre les Team Liquid et finissent par perdre, les NRG, donc voilà, en mal de confiance contre des TSM qui souffrent. Dire qu'ils ne souffrent pas, ce serait mentir, mais cependant, ils gagnent plus qu'ils ne perdent, ils sont à 3-2. Manque d'identité, manque de cohérence dans le collectif, mais des résultats en progression. TSM contre NRG sera le deuxième match de cette soirée. Ouais, effectivement, TSM qui s'est imposé hier contre Cloud9 sans la manière, honnêtement. Enfin, sans la manière. J'ai vraiment senti une équipe un peu branlante qui gagne. Voilà, c'est la victoire, elle leur tombe dans les bras, ils sont bien contents de la récupérer, mais pas vraiment été, elle n'a pas été cherchée en tout cas. Avec, voilà, on rampant tout simplement. Ensuite, un petit team Dignitas contre Cloud9. Donc Dignitas qui nous a fait quand même une prestation hier. Ouais. Très très chaud contre les Cloud9, du coup un petit peu en pleine désillusion. Exactement, on verra justement. Quid de Dignitas et de Cloud9 est le plus dans le mal parce qu'hier Ice jouait et Cloud9 a perdu. Donc, oui. Ça, c'est quand même une information importante à retenir, c'est que indépendamment du shot call de Cloud9, pour l'instant, l'équipe phare des LCS n'arrive pas à trouver son rythme de croisière, notamment depuis l'arrivée de Rush au poste de jungler. Il n'arrive pas à unifier le jeu de ses mates. Ensuite, nous avons Echo Fox. Alors, je n'ai pas encore l'information et on a un petit sujet. We expected to perform well, and after a rough start, they seem to be on an upward trend. Yeah, especially TSM. It's almost like a line graph where just every single game is better than the previous game. Alors, on voit les teamfights un petit peu d'hier, tout simplement. Ouais, Yellowstar, justement, à l'écran, on en parlait un petit peu. Et les TSM qui, finalement, voilà, arrivent un peu à mener à la baguette avec Bjergsen. Des Cloud9 un peu désarçonnés. Voilà, les TSM qui n'ont pas mis la manière mais qui ont fini par s'imposer contre des Cloud9. Et ensuite on aura donc les Echo Fox qui jouent contre les Immortals qui sont pour l'instant invincibles, immortels. Et il faudra beaucoup de ressources contre des Echo Fox. Alors je crois qu'ils sont encore en effectif réduit les Echo Fox.
pour la deuxième journée de CLCS NA en troisième semaine. Ça leur fait mal, ça. Hein. Ça leur fait très très ça mal. Leur fait super c'est mal. La pire équipe d'LCS NA si jamais ils n'ont pas leurs joueurs principaux. C'est Solo, Green et Golden Glue. Avec Golden Glue à la place de Froggen, tu le sens hein, au niveau de la pareil. Lane. C'est pas pareil. La Lissandra de Golden Glue, c'est pas celle de Froggen quoi. Et ils ont perdu une game qui était complètement gagnée contre Liquid la semaine dernière. Ouais. Hier, ils ont fait vraiment pas le figure. J'ai peur contre les Immortals, qui sont la meilleure équipe des NA de très loin. Et les Immortals, qui ouais justement, on peut en parler, sont hyper bouillants. Marche sur l'eau. White Turtle, il déchire tout. Je sais pas ce qui lui arrive. Il marche complètement sur l'eau. Unirain Over au même niveau que chez Fnatic. Ouais, Pop Elter qui tient son rang. Adrien qui s'est réveillé. Cette équipe est monstrueuse. Ça va faire mal. C'est vrai que White Turtle, il a été vraiment impressionnant hier. On sent que. Genre c'est un peu la chrysalide qui est sortie de son cocon et qui devient papillon là-dessus. Sur les DSM l'année dernière, il était complètement en demi-teinte en fait. On laissait toutes les ressources à Bjergsen. Là ouais. On voit évoluer dans une équipe qui lui accorde un petit peu d'importance. On n'hésite pas du coup. Alors en hier fait, je vérifie mais c'est bien Lucien qu'ils ont sorti. C'est Lucien ouais. Mais hier c'est Kalista hein, je crois. C'était un Soraka Lucien. Il a posé une quantité de dégâts. Ah oui, c'était Lucien qui jouait hier. Ouais, c'était ouais, Lucien. C'est ça, ouais. Soraka Lucien. Il a claqué un nombre de dash-in vraiment impressionnant. Enfin, ouais, mais c'est quelqu'un protégé. Qui prend des risques. Hein. Ouais, mais en fait, maintenant, il sait très bien que derrière, il y a Uni, il y a Renover. Il y a des gens, en fait, pour couvrir ses erreurs. Et on regarde peu du tout, on le critique pas. Du coup, il a pleine confiance. Et la confiance, ça fait tout chez un joueur de ce niveau-là. Et la dernière de cette journée sera Counter Logic Gaming qui joueront contre les Renegades. Les Renegades à 1-4. Bon dernier à égalité avec les EcoFox. C'est difficile pour cette équipe sortie de Challenger Series. Puisque Freeze, lui non plus, il ne joue pas. Ah, et ça fait mal de ne pas voir Freeze jouer contre des CLG qui sont en proie à rejoindre, même qu'ils sont déjà dans le haut de classement. Puisque. Nous avons 4 équipes qui sont deuxième ex aequo. Ils en font partie, les CLG. Je les ai trouvés plus convaincants hier avec un Darshan très en forme. Ouais, Darshan très chaud hein, sur Fura comme d'habitude. CLG qui sont à 3-2. Hein. On a 4 équipes à égalité ce soir, 3-2. Encore loin derrière l'Immortals quand même avec 2 victoires d'écart. Mais les Immortals, ils font le break. Si jamais ils gagnent ce soir, ils font le break. Hein. 6-0, tu gagnes un tiers de tes matchs. T'es serein. Quoi. T'es déjà assuré quasiment de play-off. Hein. À moins de faire 6-6 derrière qu'il y ait une énorme crise et que ça tilte, bon, t'as du mal à voir. Vu la faiblesse des équipes comme Fox ou Renegade, tu dis quand même que le match retour devrait appartenir aux Immortals. Donc à 8 victoires, tu passes en playoff. Ouais, je pense qu'à 8 victoires, effectivement, t'es bien. Et c'est vrai que ça avance, hein, on a fait un tiers des matchs. En fait, ce soir, on aura fait un tiers des matchs, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça passe très très vite, mine de rien. Alors. Zab, personnellement, quel est le match que tu attends le plus ce soir? Je pense que c'est NRG TSM. Je pense que c'est le plus grand match de cette soirée. L'affiche est belle. Et puis, toujours pareil, c'est-à-dire que l'NRG, on se dit, bon, il y a Altec, il y a Gant by Mom, il y a Impact. Impact était nul hier, il n'a pas Impact été bon du tout. Complètement absent. Et de l'autre côté, TSM, Hunzer, Svenskeren, Yellow Star, mais comment cette équipe ne peut Bjergsen, comment cette équipe ne peut pas faire la différence? Doublelift, il y a des stats incroyables. Donc voilà, c'est un peu l'affrontement au sommet pour ce soir. Et il est très impatient en fait de voir justement ce que vont faire les TSM. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer leur progression? Est-ce qu'encore une fois, un nouveau coup d'arrêt et recherche d'une nouvelle solution pour sortir en playoff de ce split? Puisque c'est un peu l'objectif pour l'instant pour TSM, c'est de se conforter dans les équipes qualifiées pour les playoffs. Ouais, ça va être l'enjeu un petit peu. Et c'est vrai qu'au niveau du lane par lane, ça va être très très intéressant de voir Gang by Mom évoluer contre Bjergsen. Et on a un petit sujet. I was at a place where I didn't really have many options. Like, it was either like be miserable still in school or try and make the League of Legends thing work. That was sort of motivation to get to the level I am now. I just ran into him in solo queue and I realized that he was actually a pretty talented jungler. When we were looking for a new jungler and Dom identified Dardoch, he said, hey, this guy looks really good. And then he kind of hands it off to me. And I start all of the more physiological, psychological, background will drive kind of questions to find out, is this the right person for the team? And that's how we were able to find Dardoch. Me and Dom's relationship's always been pretty good since our personalities are like similar. There's no like animosity between me and him with like me taking his spot or anything. Yeah, I definitely see myself in a young Dardoch. People around here will tell you when he joined the house, people would call him Little Dom. When I first moved in, I learned almost everything from him. Like everything I could possibly take away from him positively, I took it from him. I would just kind of go through just like different options that he had to just kind of like let him become his own player because I'm not trying to train someone to play exactly like me. I have my own perspective on the game and he has a different perspective because he has different strengths.
I think Dom likes to be more calculated and sort of play around the team, but I'm pretty confident in my mechanics and like my knowledge on the champion, so I want to kill the enemy champion. The flash burn to Cocoon predicted, and that's a dead yellow star. The Dardock hype, what a Cocoon right there. I don't think I necessarily need to get to Dom's level or like that's my end goal. I just like want to be the best player I can be. I think he definitely has potential to be better than me. As long as his mentality stays positive about the game, I think that he'll be able to get there. I believe Dardock has the components to be one of the best players in North America. You're going to see him as one of the NA rising stars. Du coup, petit sujet hein, sur Dardosh. Ouais. Dardosh, le jungler Liquid, des Team Liquid, qui fait un très très bon début de split là, pour son arrivée en LCS. C'est le deuxième jungler en termes de kill participation sur les NA avec quasiment 89% de ouais, présence. Il est très, très actif. C'est lui qui crée en fait, le mouvement en début de partie pour Team Liquid. Hier, il s'est vraiment illustré. Mais celui qui m'a fait le plus plaisir chez Team Liquid hier, c'est leur support, c'est Matt, avec son Bard. Oui, qui avait mis les ultis à chaque fois sur deux joueurs isolés, les deux carry. Sur les carry, ouais. Et à chaque fois, il y avait Phoenix avec Lux derrière qui boom, qui one-shotait les adversaires. Incroyablement talentueux aussi. Peut-être qu'on a sous-estimé Team Liquid, on a dit voilà, que ce serait le ventre mou. Peut-être qu'ils ont plus de talent que prévu. Ce sont des joueurs qui méritaient eh bien, qu'on attende de voir ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, a priori, ils sont en forme et prêts à nous le démontrer. Ce sera donc la première game cette soirée contre The Impulse. Qui ne perdent plus. Des Impulse qui ne perdent plus, effectivement. Et pour revenir rapidement sur Team Liquid, en fait, il y a quand même deux énormes valeurs sûres chez eux, c'est Phoenix et Piglet. On avait le doute pour Lourlo, pour Dardosh et Matt. Et en fait, sur la game d'hier, si vous ne l'avez pas vue, contre NRG, je vous recommande d'aller la voir. Ce sont ces trois joueurs-là, en fait, qui se sont illustrés. Avec un Dardosh qui était partout, un Lourlo qui nous a sorti une Poppy mécaniquement impeccable, et un Matt, comme tu disais, qui mettait des ultis complètement insane. Ouais. Poppy, hein, qui commence à quitter un tout petit peu la... Le poste de support ouais. Pour vraiment jouer top lane, on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup en LPL, c'est trop fort hein, tout simplement, ça met trop de dégâts, ça n'a même pas besoin d'itémisation de dégâts, mis à part le point givrant, pour être inarrêtable, donc tout à fait normal de voir vraiment Lourlo peser avec un tel champion. Et eh bien, ce sera peut-être un champion contesté. En face, on aura donc la team Impulse, donc Sephiroth, Proxine, Pyrian, Mash et Gate. Mash qui avait sorti un Lucian correct, c'est Pyrian qui a fait le taf avec sa Lulu en fait. Ouais, contre Dignitas, pareil, une game qui était vraiment, vraiment belle, très agressive ouais. Pour une game NA. Alors, leur lead est un petit peu lent, je m'en souviens par contre, voilà, au niveau du mid et du late game, on a eu vraiment des calls très, très positifs. On la casse ensemble, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Je crois, pour moi, c'était la meilleure game de la soirée d'hier. Elle était vraiment épique. En fait, les deux équipes n'ont pas démérité pour moi. Impulse a vraiment montré un niveau de jeu et un niveau de prise de risque que je ne savais pas qu'il était capable de faire tout simplement. Ouais, ouais, non, c'est très bien joué, ouais. Et on se dit, voilà, c'est une équipe qui est vraiment capable d'accrocher le haut du tableau. Exactement. En fait, tu te dis, bon, il y a des limites, mais la différence, c'est qu'ils ont déjà pris le rythme de la saison 6, alors que TSM, ils sont encore un peu en dehors des clous. Ils sont lents, ouais. Tu vois, Cloud9, c'est un peu pareil. Au moins, ça joue la méta et ça essaye. Ça n'a pas besoin de se rechercher une identité. C'est beaucoup de joueurs qui veulent juste que ça marche, tu vois. Ils sont assez pragmatiques et parfois le pragmatisme ça paye. Et donc les Team Liquid et Team Impulse, c'est un peu les deux équipes que je mettrais dans la même catégorie. En début de suite, je mettais Impulse un peu au niveau de Dignitas. Ouais. Et finalement, je me rends compte que cette équipe, elle essaie juste, mais vraiment juste, de gagner match après match. Et pour l'instant, ça paye. Bah, c'est une équipe en fait qui a pas d'énormes stars dans ses rangs non. Et du coup voilà qui avance de manière. Mash, c'est quand même l'ancien carrière des Décos. Enfin, c'est vrai que non, oui effectivement, j'avais oublié ce détail là. C'est l'ancien carrière des Décos. Par contre voilà, c'est une équipe qui est très modeste en fait. Ouais, ouais sa c'est manière ça. De jouer, hein. C'est ça. On y va une par une. Et donc là on aura une affrontation Mash contre Piglet. Ouais. L'ancien champion du monde contre le prochain champion du monde. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et on va partir dans la phase de draft. Ely, Liquid contre Impulse, c'est parti. Pas de Gangplank. Ouais, pas de Gangplank contre Seraph. Bon, Gangplank, l'un des picks must ban, must pick actuellement dans CLCS. En fait, même tout continent confondu, je pense que le champion est aux alentours des 90% de présence. Tout ouais. Continent confondu. Ensuite, la Fiora contre Seraph. On sait à quel point il affectionne le champion. Et là, par contre, étonnant, Impulse qui banne Caitlyn. Contre Piglet, on a peur hein, du Rapid Fire Canon Caitlyn avec ses 800 range. Ils ont un peu surpris, ils se marrent les Team Liquid en disant, oh, écoutez, et ils bannent le Bard.
Oui, le Bard. Il va y avoir du Ryze, il va y avoir de la Poppy. En même temps, vu la prestation de Matt hier, le ban sur Bard est complètement logique. Il n'y a pas photo là-dessus. Par contre, c'est vrai que ce ban Caitlyn, carry AD qui est un peu en demi-tate, c'est un peu comme Nidalee au niveau de la jungle, c'est-à-dire que c'est un carry AD qui peut être très fort dans un compartiment de jeu, mais qui peut passer complètement à côté d'une game et coûter même la victoire à sa draft en fait. Et alors l'Impulse. Donc plan de 96% de présence, toutes ligues confondues cette saison. Ouais, bah il était à 100% de ban en Chine et là on en a vu un tout à l'heure. Il a gagné. Étonnant. 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 Et pourtant toute la game a été dominée par l'adversaire. Puis il a mis 2 crits. Et la game a été gagnée. Ouais. Super intéressant. GG. Lulu, forcément réponse Graves, Ryze et Ryze Poppy. Hein. Moi j'y vais. Ouais. J'hésitais entre le Trundle Poppy, le Ryze Poppy, le Poppy Star aussi. Là tu prends Poppy Corki. Ça reste deux piques amis sont hyper intéressants côté Impulse. Sous Corki, Piglet c'est le jouet, donc c'est flex entre Phoenix et Piglet. Poppy, Lourlou c'est la jouée. Je trouve ça un peu risqué quand même de montrer un Ryze aussitôt dans la draft. Surtout quand t'as un Graves en face qui peut vraiment lui poser des problèmes en early mid game. Ouais. Mais après pourquoi pas, Alistar, c'est un pick qu'on affectionne tout particulièrement, très très complet. Et surtout qui gêne énormément Ezreal. Ezreal qui est peut-être le carry AD, le must pick actuellement. Minari, j'aime pas Harry quand il y a un. Quand il y a un Kench en face. Ah, Harry. Harry. Est-ce qu'il faut. Ils vont jouer la double AP du coup. Oh, il révèle les deux solo lanes super tôt. Non, c'est bon, Kalista. La Kalista de match. Attention, Gage qui pourrait nous sortir son trash des familles. Une hélice dans la jungle. Voilà, on sort le God tier. Le Kalista va faire vraiment, vraiment mal. Ouais, Kalistar c'est très fort. C'est très très fort, c'est très polyvalent. C'est un peu weak en early sur la lane. Ouais, mais ça dure régen. Le tank en fait, Alistar passe niveau 3. Et effectivement, après il y a une régen scandaleuse. Il y a une grosse capacité de contrôle côté Impulse. Et ça va laisser beaucoup de temps à Seraph pour pouvoir DPS avec son Ryze. C'est ça, exactement, c'est très bien. Lux et Morgana. Et c'est lock instantanément. Du coup, on aura. Ouais, c'est une. Bah, Phoenix qui continue sur Lux. Je vais pas me plaindre, moi j'adore le champion. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, par contre, attention, Impulse qui est en position de counter-pick pour ce mid. Là, t'envoies Seraph au top avec le Ryze pour Piren. Tu peux choper un gros assassin AD. Il y a déjà suffisamment de dégâts magiques dans la line-up. Impulse. Ouais, tu peux pas prendre un assassin, il y a un Kench. C'est vrai qu'il y a un Kench, mais sur la lane. Ah oui, sur la lane. Sur la lane, honnêtement, avec. Et bon, après, il ne sert plus à rien quoi. Sur la lane, mieux vaut prendre un mage. Un mage Arras puisqu'elle a pas de régène du tout. Et je pense que c'est pas si mauvais l'assassin, même si un Kench, parce qu'après sur le speed push, qui est-ce que t'envoies côté Team Liquid pour tenir un Z par exemple? Kench. Ouais. C'est pas faux. C'est vrai que Time Kench a la réponse à beaucoup de questions. C'est la réponse à tout. En 6 points en tout cas, c'est la réponse à tout. Et on va prendre du poke. Et un Varus mid, ok. Ok. Intéressant. Intéressant. C'est vrai que c'est peut-être le compartiment de jeu qui manquait dans la draft des Impulse, le poke. Ouais, surtout du wave clear en fait. Ouais, effectivement. C'est surtout le wave clear qui manque, et puis surtout c'est du wave clear AD, donc même sous une main du baron, t'es moins gêné. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée pour l'Impulse, je suis pas contre. Et ça rajoute encore du lock hein, en zone cette fois-ci. Du contrôle, ouais. Avec ce carry AD. Là, si Seraph il est bien, honnêtement, la draft Impulse ça me plaît beaucoup, hein. Je vois pas vraiment de faiblesse. Ouais, après t'as le pick and. Enfin, tu vois, une cage de Morgana c'est one shot. Hein. Ah bah, Morgana Lux dans la même line-up, c'est clair que ça fait peur. Après, c'est là aussi qu'on voit l'intelligence du pick Alistar très tôt dans cette phase de pick et ban. Ouais. Pour pouvoir justement encaisser un peu les projectiles. Et Alistar qui reste un carry AD, alors. Carry AD qui est très polyvalent, mais j'ai peur qu'elle souffre un petit peu dans les teamfights contre une Lux, contre une Morgana. Ils sont deux personnages en fait qui peuvent te lock long range et qui ont beaucoup de dégâts collatéraux. Ouais, après tu peux juke, ça va vraiment, ça joue au skill ce genre de ouais. Matchup. Si jamais il est bien mobile, il y arrivera. Après, bon, il y a un Kalistar. De toute façon, au pire, tu récupères ton Alistar, tu l'envoies sur la cible qui est la plus dangereuse pour toi, il le pulvérise, il le dégage. Ouais. Donc au pire, le Kalistar servira à ça s'il n'est pas servi, s'ils s'en servent pas en engage. Donc voilà, la première game de cette soirée, Team Liquid contre Impulse. Donc, eh bien, on a de très très bons champions. Puisqu'on a eu un ban de Caitlyn et un ban de Bard dans la phase de draft. C'est pas commun. Hein. Et cette soirée de LCSNA, ce dimanche, qui commence comme tous les dimanches. Et LCSNA, le rendez-vous immanquable. Team Liquid qui jouera Blue Side contre l'Impulse qui joueront donc Red Side Ailey. Ouais, effectivement. Et sachant que ce soir, on aura la Noix Boutine. Oui, tout à fait. La fameuse Noix Boutine.
celle qui vous a tant manqué, puisque Noah est actuellement en train de se restaurer en haut. Il est parti me chercher à manger aussi. Et de sel. Il est parti me chercher à manger, enfin. Je vais pouvoir manger, sachant que je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai commenté la LPL à Jean, c'est une épreuve. Ah, c'est une épreuve. Ah, c'est une erreur que tu fais une fois, pas deux. Si, je le referai. Si c'était à refaire, je regrette nothing. Local had behind bringing Matt up was just to, I think he said to, it was to make me as comfortable as possible, but I think Matt like proved that he's up here because he's just as good as LCS players. Like he's been performing pretty well. À propos de Matt, hein, donc qui disait qu'il était un joueur très performant. Non, I regret nothing. I regret nothing. Ouais. Ok. Très bien. Alors, du coup, swap ou pas swap? That is the question. Honnêtement, sur la top lane, ça devrait être un match-up qui devrait farmer. Hein. Je vois pas comment est-ce qu'un Ryze peut aller chercher un time catch avec la peau épaisse et vice-versa, avec la capacité de lock de la prison runique de Ryze. Normalement, il devrait être relativement safe contre l'Urlo. Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Ça a pas l'air de partir en swap. Tant mieux, il y a plus de kills, les games vont plus vite quand il n'y a pas de swap. De l'action, du sang et des larmes. Alors attention vraiment pour cet early laning côté, côté duo bot, parce qu'on en parlait du pick Alistar, c'est très très fort, c'est très complet. Par contre, en very early, ça souffre tout de même pas mal, surtout contre une Morgana, qui avec la flaque en fait peut appliquer le Thunder Lord super facilement. Un Lucian et le double shot, ça fait très mal également en early game. Une Kalista n'a pas vraiment d'argument à faire valoir au niveau 1. Non, à part si le trade dure, sur un, si, en fait, si elle prend l'avantage et qu'elle met deux auto-attaques, et qu'elle évite la lumière perforante de Piglet avec son Lucian. Là, par contre, elle prend vraiment l'avantage. Encore une fois, de toute façon, Kalista, ça peut quasiment tout faire à partir du moment où c'est ce qu'il est. Et hop, là, Matt tire de ça, qui s'accache sur Gate, qui va justement s'infiltrer dans le buisson adverse. On va zoner un peu. Ah, et pour l'instant, la duo lane d'Impress, il s'en sort très très bien. Quel avantage du push là-dessus? Gate, le niveau 2. Et Matt, ouais, Matt qui est un petit peu late en fait. Voilà, il vient de prendre juste son niveau 2 maintenant. Ouais, c'est pas ah, bien, et enfin un Ryze Storm Raider. J'attends de voir ce qu'il va donner avec cette Keystone. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. Storm Raider qui a été pris déjà hier. Et c'était une défaite cinglante. Voilà. Donc on verra si Storm Raider a plus de succès. Phoenix qui rate un creep là. Bah, c'est vraiment une maîtrise qui va dans la veine de la Draft Impulse, à savoir le teamfight, de la mobilité, permettre à ce Ryze de pouvoir se positionner correctement et poser un maximum de dégâts sur le panel de contrôle de la Draft Impulse. Ouais, ça va être intéressant. Par contre, attention au niveau de la lane par rapport à une pointe de l'immortel, c'est quand même beaucoup plus faible. Ouais, ça c'est vrai. La pointe de l'immortel, c'est très très fort en lane. Dardoche, un terminé. Proxine qui arrive un peu tard là. Ne fasse pas une petite Proxine. C'est vu. Tenter le 1v1 contre un Dardoche, contre un Graves, du coup qui va passer. Ilis qui met de bons dégâts. C'est Graves énorme. Qui répond, les auto-attaques, le buckshot peut-être, ou le juke sur le Q-spell, le flash out, c'est suivi avec un rappel. Derrière, Proxy, le Dardoche qui prend le kill. Oh là là, c'était tellement bien joué. Il l'a renvoyé dans l'enclos et il a attendu son mate, le kill est sécurisé. Le first blood, c'est dommage, Proxy n'avait tout lu, mais voilà, il s'est fait épingler au mur, étrier. Magnifique mouvement du jungler des Team Liquid. Ah Graves, qu'est-ce que ça fait mal. Il a bonne décale hein, de Phoenix, le sang-froid hein, sur la flèche de Pyrian. Et attention, par contre, Phoenix au niveau du mid, qui fait les frais de cette escarmouche, plus vraiment de mana pour cette Lux. On va revoir l'action justement. Alors, et c'est là vraiment qu'on voit la force de Graves, parce que c'est une Elise qui lui met tout. Ouais. Il lui reste un tir HP, il juke, il flash, le rappel qui suit, et là, la cage. Le Q-spell s'y passe et l'auto-attaque. C'est merveilleux. C'est toute beauté. Le burst. Ouais, le burst. Et ça fait du bien. Hein. Un kill qui va être qui a été récupéré hein, par le jungler, justement, des Team Liquid. Un midlaner qui se met bien. Attention, Dardoche qui va appuyer sur Pyrian, le dash in. Oh, le red buff de fou. Pyrian, il y va. Attention au Q-spell, ça va vite. Est-ce qu'il va pouvoir redash? Il arrive à ralentir les auto-attaques, le flash out. Oh là, il fait cramer un flash derrière. Voilà, Proxine. Il est seul, Proxine. Il est seul. L'arrivée de Seraph. L'arrivée le de Seraph. Flash. Dardoche qui va tomber. Et c'est le double buff pour le Ryze de Seraph. Oh, et derrière, au niveau de la bot lane, Gate, le combo sur Matt. On va disengage, attention, Mash là. Mash qui prend un peu la sauce, le double hit de Lucian qui fait très très mal. Et pour revenir sur l'action précédente, bah écoute, grosse pression. De la part de Seraph, là, le TP qui permet de récupérer un kill, il fait le back avec les armes de DS, double buff contre un time catch. Là, c'est l'Urlo qui doit être en train de pleurer. Ah ouais, clairement là. RTC, c'est triste pour l'Urlo. Il est pas bien là. Il est vraiment pas bien le Soleiner des Team Liquid, parce qu'un Ryze qui a un blue buff. Enfin, il va pouvoir charger sa mana à l'infini, il va avoir un spike plus tôt. En plus, il peut mettre des auto-attaques pour ralentir avec des true damage. Il peut harass un Kench. La pire chose pour un Kench, c'est de l'harass régulier. C'est vraiment. C'est excellent là. C'est excellent pour les Team Impulse.
Effectivement, par contre, il va falloir quand même gérer ce Graves hein, qui met vraiment la sauce. Peut-être avancer un peu le map control côté Impulse pour ne pas laisser à Dardoch justement trop de liberté au niveau du positionnement. Attention, la cage qui va toucher de la part de Matt. Ouais, ça fait mal. Hein. Ah ben, c'est Morgana support, hein. Cage, flak, boom, Thunder Keep Rock. Ça reste très très safe. Et on va faire le back justement côté Team Liquid. La BF sécurisée pour Piglet très tôt. Et là, Mash et Gate qui vont pas avoir le temps de push rapidement, je pense. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ah, Dardoch. Oh, Dardoch. Dardoch, il a envie d'être actif, il a envie de peser pour son équipe, il a 20 creeps. Honnêtement, je pense qu'il est sur la bonne voie. Et puis, il faut essayer de récupérer ce double buff sur Seraph parce que c'est compliqué pour l'Urlo. Après, il tient bien le soliner des Team Liquid. Grave, c'est quand même 75% de win rate en NA avec une présence de 71%. C'est énorme. Hein. C'est. Ouais. Alors, ça n'enlève rien au mérite de Dardoch hein, qui a vraiment bien géré. Sachant en fait que sur le fight, Phoenix n'a même pas touché, en fait, il n'a même pas eu l'assist. Donc il a vraiment fait tout de A à Z solo, Dardoch. Mais voilà, Grave, ça reste très fort. Et pour Xinti back. Du coup, l'Orlo qui va peut-être essayer d'attaquer Seraph, qui va détaler comme un lapin. Tranquillement, ouais. Tranquillement, je pense que Seraph, il a claqué l'ulti tout de même. Il a senti le guet-apens avec le Gouaki, l'Orlo qui va wave clear tranquillement. Et puis sustain, il n'a pas été vraiment inquiété sur le double buff de Seraph. Du coup, voilà, encore, il reste beaucoup de points de vie hein, sur ce TAM. Au niveau de la mid lane, écoute, ça se vaut pour le moment. C'est Phoenix qui met un peu la pression. Après, voilà, c'est Lux qui part double Doran. Double Doran, donc quand même un stuff axé early game. Après, ouais, attention, ouais. Ça va retarder le premier power spike. Ouais, après, bon, c'est pas mal aussi un double Doran. Ça te permet d'avoir un lane control assez. Voilà, en plus, avec les cookies, t'as du mana. Ça te permet de wave clear parce que ça wave clear très très rapidement à Varus. Et voilà, c'est pas du tout core pour une Lux. Oh, c'est bien joué ça pour Phoenix. C'est pas du tout core pour une Lux de faire un item mana très très tôt dans la méta prise de la reine de givre. Donc là, je pense que voilà, l'objectif c'est juste de temporiser la prise de la reine de givre et derrière de partir sur des bots pour avoir l'ulti le plus rapidement possible, le plus fréquemment possible. Ouais, et puis apporter un gros contrôle au niveau du mid, hein, ça dépouche très très bien. Avec l'ult qui a un CD hyper court. Et du coup, on bannait le blue buff à Phoenix hein, tranquillement, l'anomalie radieuse qui aura raison de l'envoûtement. 56 CS pour cette Lux, en plus qui commence à stacker des golds hein, déjà avec justement hein, ce début d'item support. Seraph au niveau du top, pas de soucis, on va vider la barre de mana, wave clear, on rentre à la base tranquillement. Catalyst Protector qui devrait arriver incessamment sous peu. Ouais, sûrement. Hein. Et puis après, ça va devenir le contrôle de lane très facile pour le solo laner des Impulse. Pendant ce temps, Phoenix qui est toujours sur cette mid lane. Oula, Team Liquid, la fanbase. Et Piran. Ouais, 80%, ça reste assez énorme quand même. Et on voit vraiment que c'est Dardoch hein, qui emballe cette game depuis que le jungler des Team Liquid s'est calmé et s'est retranché dans sa jungle. Bah voilà, il se passe. Ça spoke, mais c'est pas hyper, hyper agressif pour le moment. Après, voilà, on va attendre les premiers power spikes une fois de plus. On a Lucian avec BF, c'est pas forcément suffisant pour vraiment aller prendre l'avantage sur le match, on voit au niveau des PV. Dardoch qui vient de récupérer son niveau 6, Phoenix qui tente le trap peut-être là. Niveau 6 de Graves, c'est généralement synonyme d'escarmouche. Ouais, on essaie. Ouh, c'est bien joué l'anticipation là du Q-spell. Mais ça ne suffira pas à faire le kill. Proxine qui a posé une pink ward. On veut vraiment contrôler la mid lane du côté Impulse, c'est vraiment intelligent. Ouais, effectivement, Phoenix là. Ça sort bien, parce que le matchup n'est pas forcément évident contre Avarus en plus. Hein. Ça a de gros dégâts de base, bah, comme tous les carry AD qu'on voit actuellement sur la mid lane. Et une très bonne capacité de poke et de lock long range. Attention d'ailleurs, hein. Phoenix qui est tout de même parti sur une purge pour rester safe dans son 1v1. Et Proxine qui se balade dans sa jungle. Toujours dans ce contrôle, beaucoup de warding, hein, beaucoup de gold consommé pour le contrôle de la mid lane entre les deux équipes. Et Proxine qui vient peut-être essayer de charger. Ouais. Qui veut mettre bien Seraph. Et Seraph d'ailleurs qui a fait le choix de partir sur une baguette explosive sur son second bac. Donc là c'est un Ryze qui envoie des grosses patates. Le cocon qui va être parfaitement linké sur l'Urlo. Est-ce qu'ils ont le DPS pour aller chercher un time catch? Le flash out. Le backup de Dardoch qui va arriver. Attention au burst d'un Graze. L'Urlo. L'Urlo qui tempo. L'Urlo qui va tomber. Dardoch qui va devoir reculer là-dessus. Trop de dégâts avec un Ryze. En plus ça part du cocon. Donc le Ryze n'a pas besoin de mettre son lock tout de suite. Il le met en fin de cocon. Ça maintient juste ce qu'il faut. L'Urlo loin de sa base. Et derrière, il est obligé de partir dans la rivière. Il se fait abattre le solo laner des Team Liquid. Après, il a son téléport, mais ça va faire un TP advantage normalement pour les Impulse. Ouais, effectivement. Et on est sur un Ryze qui vient de récupérer un assist en plus. Hein. Donc vraiment, Seraph qui va être une grosse menace dans cette rencontre. Et honnêtement, alors il y a de quoi le gérer quand même en teamfight. Un côté Team Liquid, il y a du burst. Mais voilà, attention au power spike au moment du séculaire terminé.
on sait qu'un Ryze, ça peut tanker énormément. Et voilà, si jamais Team Liquid tombe un petit peu derrière, qu'il n'a pas le DPS suffisant, ça va être problématique. Ça peut, bah après, tu te fais snowball, quoi. C'est ce que tu disais, Ellie. Hein. Si le Ryze est bien, Impulse va rouler sur ton Mantifight. Matt, ça dépend la partie. L'arrivée de Dardoche, il n'y a plus de combo sur Gaito. Oh, c'est complètement raté pour Matt. Complètement raté. Ouais, il partait. Bah là, t'es obligé de viser la Kalista en fait dans ce genre de situation. Parce que tu caches un Alistar, bon bah au pire il ulti, sinon la Kalista le ramène, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Compliqué de toucher le skill shot là-dessus pour le support des Team Liquid. Je sais pas si c'est vraiment bien de gank un Kalista. Non, je pense que coûte. Bah à moins vraiment que ce soit sur un trade engagé de la part des Impulse, ça me semble difficile. Mais voilà, pour l'instant au niveau du jeu du farming, écoute, c'est plutôt les Team Liquid qui s'en sortent là. Toutes les dents qui gagnent. Alors à part le bot, il y a une vague de retard. Au niveau du mid, 96-16 à 77, c'est relativement impressionnant tout de même. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme ce qu'il est en train de lui mettre. C'est Raph, il essaie de partir de chez Lourlo. Il n'a pas du tout envie de se faire prendre le Guaiki. On va le manger. Nom, nom, nom. Ça va être envoyé. L'arrivée de Proxine. Il est loqué. Le cocon qui va toucher. C'est Raph qui se retourne. Et on remet tout. Il y a encore un peu de malin sur Seraph. Il y a un flash. Le passif. Le passif qui va proc. Ça va toucher encore le flash. Et c'est le kill. Il a grid là sa peau dure, j'ai l'impression. Ouais. Bah, je sais pas s'il aurait pu s'en sortir même avec la peau dure là, parce que derrière t'as 2-0-1 Ryze. 2-0-1 et le séculaire il arrive très très vite là. Rest in pepperoni l'ami Lourlo. Ouais, ça fait mal. Et Dardoche là, du coup qui est en train de récupérer son carapateur, qui est en train de se dire ok, est-ce que j'aurais pas mal géré mes ressources dans cette early game. Ce qui fait un très bon boulot en early game, mais voilà, après tu parlais de la décision de ganker le bot sur un Kalistar. Effectivement, c'est une décision qu'on peut contester et voilà, peut-être qu'un counter gank au niveau du top aurait été bien plus intéressant. Je pense, oui, je pense. Et les Impulse qui font leur bout de chemin, écoute, dans CLCSNA, ils montrent un bon visage et surtout, bah, voilà, les golds sont du bon côté, du côté du Ryze, celui qu'on va pouvoir protéger à tout prix. Et puis il va y avoir ce siège, même si il est derrière l'ami Pyrian, il va pouvoir poke en veux-tu, en voilà. En face, il n'y a qu'une prise de la reine de gif, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas transcendant, effectivement. Et Mash et Gate, là, qui du coup sont obligés de jouer très très safe avec la menace du TP de Seraph. On est obligé de rester sous tour. C'est dommage parce que c'est une duo lane qui est vraiment faite justement pour pouvoir mettre la pression. Mm-hmm. Il devrait être snowball par Proxine. Proxine, d'ailleurs, qui pourrait faire un tour au niveau du bot. Hein. Même s'il y a un Black Shield, honnêtement, Alistar, Kalista, plus Elise, il y a beaucoup de dégâts magiques et beaucoup de contrôle de base. Donc de quoi après que ce Black Shield? Après, il y a une grosse pression de farm, en fait. Hein. Lux qui n'hésite pas du tout... à mettre l'ulti si jamais elle voit pas son vis-à-vis pour essayer de deny une vague de sbire. Et ça veut vraiment contrôler la lane, sachant que t'es déjà derrière, tu peux pas trop prendre de risques. Hein. C'est à Lux de prendre ses responsabilités et d'essayer d'aller bien gêner ce Ryze. Et ouais, non, je crois que c'était un style, je suis complètement... Je suis aux abois. Ouais, après 5 games de LPL. LPL a eu raison de toi. Ouais, exactement. La fatigue. Ça qui est bon. Alors on donne tout, attention. Ok, c'est raté. Ça rappelle un joueur, un très grand joueur de DNA, mais ce sera pour plus tard dans la soirée. Oui. Et ce très grand joueur qui joue chez les Dignitas. Attends, il joue le troisième game. Troisième game, effectivement. On va donner le bleu à Pyrian également. Et Pyrian qui avance hein, petit à petit. Alors, étrange intimidation, Dag Dantley, Tears, Lucidité très tôt. La Manamune du coup qui va arriver super tard, donc comprends elle va se stacker plus lentement. Je comprends pas parce que par contre, alors autant pour Ezreal, tu peux te dire, bon. Voilà, la brillance, la réduction CD et tout. Mais là, tu prends pas de brillance, donc t'as pas d'arbitrage en fait en termes d'itemisation. Ouais. L'optimum, c'est de prendre le plus rapidement possible ta Manamune. Ouais, effectivement, parce que la dague dentelée, ça apporte de l'AD. C'est vrai que pour le Waveclair, c'est intéressant et je pense qu'il doit galérer depuis tout à l'heure parce que Phoenix spam ses ultis au niveau de la mid-lane. Mais là, en fait, c'est un Varus qui volontairement délaye son pic de puissance en fait. Ouais. Après, bon, il y a Seraph qui devrait pouvoir faire la transition mid-game normalement avec son 2-0-1. Et regarde Proxine qui veut encore appuyer sur Lourlo. Lourlo qui prend vraiment un hard camp. Celui que vous connaissez bien en solo queue. C'est ce qu'il faut. C'est Raph qui avance avec Proxine. Ah, Dardoche qui est au top cette fois-ci. Dardoche qui est au top. Il n'y a plus beaucoup de points de vie sur la tour. Et on n'hésite pas à lâcher l'ulti. On y va. On va mettre les auto-attaques. Les autos, Dardoche qui va arriver. La tour qui est toujours vivante et ça craque un CD. Hein, côté, on prend pas de risque. Hein. On prend pas de risque même pour deux auto-attaques. On ne grid rien en LCSNA. Bah on a vu les dégâts de Dardoche tout à l'heure, hein. Là c'est un Graves qui a son Warrior, qui a ses sévérités, donc qui est extrêmement mobile. Seraph et Proxine qui pour l'instant n'ont pas du tout d'armure. Proxine qui a lu, ils ont anticipé le déplacement de Dardoche. Il a vu, ouais. Il a pris information là-dessus, et du coup héros de la faille, le Ryze de Seraph avec un héros de la faille. Lourlo il est en train de se dire les gars le top là c'est fini, il faut que vous fassiez la différence au mid et au bot. Là la top lane c'est récupérable maintenant.
séculaire à 15 minutes de jeu avec la tire dessus, plus héros de la faille, oui, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué de gérer ce Ryze. Ouais, il y a un visage spirituel sur le Tam de Lourlot, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant? J'en doute. La tour qui devrait tomber sur la prochaine vague. Il va se prendre un hard poke de la part de Pyrène hein, à ce petit jeu-là. S'il n'a pas de PV, il a qu'un cristal de. Dans la combinaison du visage spirituel, il n'y a qu'un cristal de rubis, c'est pas énorme. Et il n'y a pas d'armure. Donc en termes de régène. Il y a deux cristaux de rubis. Oui, exact, deux. Donc ça reste. Deux cristaux de rubis, mais ouais, c'est vrai que c'est léger en fait. Light. Si t'as pas de pool d'armure, sachant que là, vu l'itimisation de Pyrène, il va partir sur une UMU assez rapidement qui va ajouter de la pénétration d'armure flat. Et oui, un thème, ça a beaucoup de points de vie, mais c'est pas forcément suffisant. Attention, le TP. Table. Le TP de Seraph, Leto qui se resserre sur Matt. Matt, le break shield qui vient de tomber, le flash out. Gay qui veut continuer au chase, la deuxième cage. Et on enchaîne, Seraph, troisième kill à 16 minutes de jeu. Ce Ryze fait de plus en plus mal. Le problème, c'est que. Seraph, en fait, il est complètement dans le contrôle là. Il prend le héros de la faille, il prend la tour, il TP juste après la prise de la tour au moment où il en a plus rien à faire. Il a déjà, il a pris une baguette trop grosse en plus. En plus de ça, il va participer à la prise de la tour avec sa team. Ils sont en train de snowball largement les impulses. Il y a que Pyrène qui a pas de difficulté, mais regarde, là le coup touchera pas pour Phoenix. Et ça avance sur la bot lane, bah, forcément, à force de dissuasion. Il y a le héros. Ah, c'est le héros qui fait vraiment mal hein, sur le push là-dessus. Et Ryze avec une baguette trop grosse en plus qui met la pression. Attention, l'arrivée de Lourlot sur cette bot lane. Phoenix également qui va vouloir refermer les deux. Mais Lourlot qui est scellé là, Zab. Ils vont le massacrer. Lourlot, il est tombé, c'est terminé. Bah, bien sûr, il était beaucoup trop tard. Attention quand même au burst. Oh, les dégâts d'Ardoche. C'est bien joué, Gay qui rentre. Piglet, tu te fais attraper. Piglet est tombé. C'est pour Seraph. L'ulti de Pyrène, les énormes dégâts, Pyrène, l'archer, Guillaume Tell, c'est Seraph. Terminé pour Matt. Seraph qui fait la différence une fois de plus, c'est Proxy, encore un cocon sur Phoenix, instant de purge. Oh, c'est une catastrophe ça pour les teams Liquid. 4 pour 0 en faveur des Impulse. Lourlot qui. En fait, qui est parti du principe qu'il était un time catch, sauf que c'est un time catch à 0-3. Tu peux pas face tank 5 personnes comme ça, ça ne fonctionne pas dans les Mais il faut. Il faut faire attention quand même, enfin. On dit Kench est immortel, mais. Dans une certaine mesure, quoi. Et c'est la T2 qui tombe. Et ça fait super mal. Ça fait 5 à gold à 17 minutes de jeu, ouais, c'est pas pareil. Et ça fait 4-0-4, 404. Ouais. Lourlot not found. On va revoir l'action parce que l'idée de Lourlot est bonne. Le problème, en fait, c'est qu'il part trop tôt, il est vu. Phoenix n'est pas encore en position, le reste de sa backline n'est pas encore en position non plus. Et ouais, bah là derrière, en fait, il a même pas le temps d'activer sa peau épaisse. Ah non. Il nous fait des longues pandas sur longues pandas. Ouais, l'ulti qui a de la référence. Piglet qui est forcé au flash art, qui se fait fatigue. Piglet qui prend tout. Ouais, absolument derrière, en tout plus, ce le follow-up sur Matt est parfait, Pyrène. Ouais, on continue. Dardoche, il y a des dégâts, hein, mais. Regarde ce qu'il met cher sur Seraph, hein, mais ça suffit pas. Malheureusement. Et là, derrière, l'instant purge de Phoenix, le perso n'arrête même pas de marcher. Ouais. Incroyable. Incroyable game pour l'instant des Impulse qui met la pression. Seraph est partout. Il n'y a même pas besoin de gérer sa top lane. Regarde, maintenant, il y a un freeze qui est lancé par Lourlot. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Et le Seraphin qui est complété. Ok, Seraph qui va faire un trou sur ce top side. Et derrière, Pyrène qui était un petit peu dans la difficulté contre Phoenix. Bah écoute, se remet bien. La Yumi est terminée, on a les lucidités, on a la mana mune qui est quasiment terminée également. Donc là, il va pouvoir continuer de tenir la dragée haute à son vis-à-vis direct. D'ailleurs, la T2 mine qui va être certainement le prochain focus. Voilà, il va y avoir une petite période de trou, je pense quand même, pour les Impulse. Ils peuvent pas éternellement comme ça mettre la pression. Ouais. Ils vont juste voilà, wave clear, farmer. On a le Seraphin qui est terminé. Tu peux t'imaginer, on est à 20 minutes de jeu, Seraphin séculaire sur un Ryze. Ça fait peur. Bah, généralement, c'est pas bon. Ouais, généralement, ouais, c'est le moment où tu te dis, bon, est-ce que je vais faire 20 minutes ou est-ce que j'attends un petit peu plus. C'est ça. Et là, Team Liquid, sachant que même sur le late game, ils sont pas tellement devant non plus. Hein, parce qu'ils ont des DPS qui sont casters majoritairement. Personne ne joue sur le critique, personne ne scale particulièrement. Seraph qui se fait cage. Heureusement qu'il prend la cage pour Phoenix. Et le problème, c'est voilà, cette menace, c'est que t'arrives dans n'importe quel buisson, tu te fais one shot. Team Liquid qui essaye de reset un petit peu la phase des side lane. Ouais, ça décale au top. Par contre, voilà, ça laisse la T1 mid qui est ouverte là, du coup, qui devrait tomber rapidement. Attention Piglet, attention Phoenix, pardon. La purge qui n'est pas encore revenue. Ouais. Il y a le flash, mais voilà, sur un flash de Pyrène à l'ulti, Seraph, ça peut aller super vite. Seraph, il n'a pas encore l'ulti, donc à mon avis, ils vont juste voilà, prendre cette T1 mid lane. C'est vraiment très important de la prendre. 5 à gold toujours d'avance en faveur des Impulse. Ouais, et ça fait la rotation sur Nashor.
C'est intéressant de voir que dans la Draft Impulse, en fait, chacun des joueurs est possiblement un engage. C'est ça. En fait, c'est tous une menace ambulante. Et on le voit, hein, Phoenix qui est obligé de jouer très très reculé, même avec une Lux hein, qui a pourtant beaucoup de portée. Et là, c'est le call lâcheur à 20 minutes de jeu, sans complexe, les Impulse qui l'engage. Ah, ils utilisent pas le bout trinket en plus, les liquid, et on y va, on fait l'engage. Gate, le flash out de Matt, derrière on se retourne. Seraph qui est pas encore rentré dans la danse. Ils vont tout simplement disengage. Ouais, c'était une bonne tentative. Hein. Il fallait pas. T'es pas obligé de forcer un baron jusqu'au bout. Ouais, c'est tombé relativement vite, hein, ça force un flash sur Matt. Et j'ai dit tout à l'heure avec Gardoum, c'est vrai que le blue trinket, c'est une mécanique qui quand même empêche complètement le contrôle des objectifs importants comme le baron. Ouais. Parce que t'as beau tout warder avec des pink wards et mettre les adversaires dans le brouillard, t'auras toujours en fait une clairvoyance. Et du coup, c'est assez paradoxal parce que Riot, qui veut que les games durent moins longtemps, eh ben elle bloque la meilleure manière de terminer game, c'est-à-dire de tout warder. Oh, quel génie! Proxy doit amener Seraph! Seraph qui l'attaque, la tête va tomber! Seraph qui tombe derrière, attention! Toutes les ressources sont sur lui, Mash! Il s'en passe! Oh là là, non! Pyrian non pour les Team Liquid! Oh là là, c'est tellement bon pour les Team Liquid, le double kill quand même pour Pyrian! Mais pourquoi? Mais pourquoi pendant que Pyrian tente de fuir la Pyrian sur Lolo, le coup de langue qui va passer, Lolo? C'est le dessert, mais des Impulse qui viennent de gâcher un engage 18 étoiles au guide Michelin, là, Gate! Oh là là! Bah, je te jure, on va revoir. Non, mais c'est fou quand même! Ah, attends, tu imagines, tu fais un 5-man pulverize? Non, mais mec, et tu non, perds! Mais... Regarde ce pulverize! Non, mais Gate là, ouais. Il vient de faire l'un des plus beaux engages qu'on ait vu depuis rentre, je sais pas combien de temps! Il burst! Et là, je comprends pas! Et là, rentre, c'est YOLO en fait! Il se met au milieu de tout le monde, voilà, il se prend la culling! Et regarde, Mash! This is the moment where Jackson knew he fucked up. Disparition. Qu'est-ce qu'il fait avec sa Kalista? Mash qui a complètement craqué. Mash qui est arrivé en mode l'héritage, hein, c'est l'héritage d'une grande équipe. C'est une école unique au monde. On en fait plus des comme ça. C'est c'est magnifique. Parce que là, ils avaient combien de gold d'avance avant les Impulse? Ils avaient 5K. 5K gold à 20 minutes de jeu avec un formel pulverize, ils trouvent tout de même le moyen de rater le fight. C'est beau. Ouais, je crois que la grande force en NA c'est les teamfights. Et maintenant les Team Liquid qui reviennent dans cette partie. Et ils ont une front lane et bon après Ryze ça reste très fort en late. Toi, Pyrian se fait attraper, la queue. Oh, c'est fini, attention, lock and pick. Incroyable. Et là T2 qui va tomber. Et c'est le fameux throw NA, les Team Liquid qui reviennent à égalité parfaite en termes de gold. Et bien la game est relancée, Zab. Cool. Ah, je sens que t'es content. Parce qu'en fait, j'avais pas faim. Je suis content que ma nourriture refroidisse. Ah non, mais maintenant c'est une très belle game. Il y a beaucoup de follow-up. Et des champions sympas. J'aime bien voir du luxe. Seraph, Proxine, Gate. Qui ouais. Se regroupe vers ce baron. Là, il regrette de ne pas avoir terminé ce baron tout à l'heure, de ne pas avoir réussi à trouver la faille dans le teamfight, de s'être empalé sur des culling. Ouais, clairement, là, c'est. La game est relancée. Hein. La game est relancée parce que si Team Liquid arrive à lock long range comme ça, attention, c'est Raph encore qui se fait attraper. On va tout mettre sur Matt. Matt, la disparition. Seraph, il vivra, il s'en fout. Seraph, c'est un peu un Mundo qui fait mal. Mash qui revient directement. Oh, le pulvérise sur deux personnes. Mash, on veut Lourlo qui récupère Phoenix. Lourlo qui fait ses tempos. Mash qui est parti dans le mauvais sens là-dessus, la cage et Pyrian qui est complètement perdu, qui n'arrivera pas à dépasser. Il lui a mis la Zizou là, Lourlo. Il a récupéré son. C'est beau parce que c'est Team Liquid qui veut catch. Ouais. C'est Impulse qui tue et quand Impulse a le fight, c'est Impulse qui disengage. C'est ça. C'est très bizarre. C'est n'y rien à comprendre et l'ulti, oh là, il a vaporisé quand même un petit peu. Il faut pas se faire trop flanquer, Seraph. Pas de Guaki sur Seraph. Hey, Lourlo qui met la pression tout de même sur Time Challenge, attention, quand l'engage est mieux timé, ça fait la différence. C'est une T2000 qui va permettre justement aux compagnons de Proxine de prendre un peu l'avantage en termes de gold. 1,7k gold à 24 minutes de jeu, c'est très léger. Après, je pense quand même que les Impulse sont des gros avantages en late game. Hein. Je pense notamment à ce double carry AD plus un Ryze. Double ADC et Ryze, bon, normalement, t'es bien. Un Ryze à 5-1-5, t'as quand même tendance à penser que tu peux le faire. Bah on a vu les dégâts qu'il a collés sur Matt, hein. C'était intéressant. Bah on va revoir l'action justement. Donc Team Liquid qui engage. Donc Seraph qui se dit, mais les gars, je joue Ryze. Enfin non. Je flash. Donc là, re-engage. Et ensuite disengage. Et fin du replay, disengage et Impulse. Ils re-engage, ils font pas le kill, du coup ils disengage. Parce que Lourlo fait un très bon travail de... Ouais, Lourlo met la pression. Et là, il y a une prise de baron.
prise de baron pour les Team Liquid et c'est pas du tout défendu. C'est pas du tout défendu. C'est un complexe. Il va falloir y arriver. Du côté Team Liquid. Allez, Sagate. Sagate de sauver les mobs. Pyrian, attention. Et non. Et la purge. Cette game. Cette game qui vient de mettre la logique en PLS. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Donc, Team Liquid repasse. Non, Team Liquid est derrière au gold. Mais un buff de 3 sur gold. Mais ils ont fait un Ashore parce que les Impulse ont disengage. Sur un fight de gagner. Qu'ils étaient en train de gagner. Après avoir throw la game qui était imperdable avec un Ryze qui est invincible et qui tue des Morgana sous fatigue. Voilà. Tout est bien. Bienvenue à LCSNA. Vous êtes sur Il reste 4 games, restez avec nous ce soir. Ça commence très très fort cette soirée quand même de LCSNA. Moi ça me plaît bien. J'ai hâte de voir les Dignitas. Et attention à Piglet, hein, parce que Piglet il fait pas de bruit depuis tout à l'heure. 244 creep. Quand il va arriver sur son troisième item, il va entrer dans la teamfight. Il va faire très 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 mal le carry. Il y a des Team Liquid et là avec la main du Baron. Ils vont aller prendre cette T1 botlane et on continue le bus Team Liquid. Ça y est, on est repassé devant au niveau des golds. Et ça va siège au niveau de cette botlane. Dardoche et Piglet et la double carrière qui fait très très mal sur le bâtiment. Ah, ça plus que siège, hein, ça va très vite. Allez, Matt, il va falloir faire quelque chose. Est-ce qu'on laisse tomber la T2? Il semblerait que oui. Côté Team Liquid, il faut gagner quand même un petit peu de temps pour laisser disparaître ce buff Nashor. C'est récupéré les golds hein, qui balance de droite à gauche. Liquid qui prend l'avantage là-dessus. On va faire la rotation, 1 minute 40 avant le prochain Drake, Zab. En plus, ce qui est bizarre c'est chez les NA, c'est qu'il y a vraiment deux journées chez les NA. Il y a la journée du samedi. Mais la journée de dimanche, elle est particulière, elle a une saveur différente. Les joueurs le sentent, il y a une espèce d'aura sacrée dans laquelle les joueurs en fait se perdent. Oh, voilà, oui. Le bel ulti de Pyrian. Oh, parce oui. que c'est pas un... Tu verras jamais ça un samedi en LCS. Non, non, mais c'est. NA, c'est la magie du dimanche. C'est pour ça que Noah il réserve son dimanche. Voilà, il sait. Et maintenant, ce sont les Impulse qui sont en train de défendre. L'Ourlo. Qui va s'avancer la prise de la reine de givre pour Matt. On va prendre l'information justement sur les défenseurs de cette T2. Alors est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? Attention, Piglet. Attention quand même, parce qu'il y a toujours Seraph à 5-1-5. Ouais, en termes de kill, ils sont bien devant. L'Impulse. Et par Rabadon, Seraph. Ouais. Ah, il a dit non, quoi. Il veut one shot. Hein. Il veut taper. Il a raison. Il veut taper. Effectivement, donc on a vraiment que Gate en termes de front lane. Proxine, Proxine mettra pas sur les mêmes pressions. Oh là, Seraph sur Matt. Matt, disparition, le vanish derrière, Gate qui arrive dans la mêlée, le flash, il se fait catch sur la cage de Phoenix. Ah, c'est ballot. C'est de la faute à pas de chance, ça. Et l'arro de Pyrian. Bah ouais, tu t'empales dans les cages, en fait, avec un Ryze, contre ce genre de composition d'équipe. Bah, il faut juke, hein. C'est à lui de lire, il a deux skill shots à éviter, il faut... faut pas se contenter de flashing, quoi. Non, bah ouais, c'est sûr. Par contre, Matt, je pense que là, il vient de comprendre. Que Seraph, il fallait pas le coller de trop près. Ouais, ouais, mais en même temps, il est obligé de créer du danger. C'est lui qui met la cage au début. Il se repositionne, ouais. il se fait flanquer. Ah, y a erreur de map control. En plus, il y a une fatigue qui part sur Proxine, et là, c'est Seraph. Ouais, ouais, c'est non. Comment il n'y a pas un autre frontliner pour se mettre en opposition, malheureusement. Ah, au pire, Alistar. Ça, le problème, en fait, c'est que côté Impulse, Seraph, il fait beaucoup de dégâts, mais il n'est pas tanky pour un saut pour le moment. Ouais. Et il s'avance trop. Il faut absolument que Gate se soit en opposition pour encaisser les skills. Au pire, j'aurais bien vu un Zhonya. Ouais. T'as un misplay, ouais. tu zonies à l'ulti voilà, luxe. QSS, ça c'est une très très bonne nouvelle. Gate, attention, le TP de la part de Seraph, Dardoche, Leto va se refermer, l'Ourlo qui va manger. Seraph qui va arriver, attention Seraph, c'est encore le frontline. Non, Seraph, il faut pas faire ça. Directement, il y a la punition. Seraph qui est obligé de se replier, c'est Proxy qui tombe, l'arrivée de l'Ourlo sur Pyrian. Pyrian le flash out. La QSS l'ulti pour l'Ourlo, pour Chase. Sur le carry AD, des Impulse. Dardoche, attention. Oh, Dardoche, crac, c'est terminé. Et encore Seraph en frontline. Mais qu'est-ce qu'il fait, Seraph? Ah, il avait... Ah, c'est un beau throw. C'est un très très beau throw qu'on voit aujourd'hui. Et Team Liquid qui vont pouvoir récupérer leur première T3 de la game. Attends, avec un inhibiteur. Oh, c'était quand même la game, ça. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ils peuvent peut-être prendre les tours Nexus. Il n'y a que Mash en défense. Ils ont l'accumulation avec eux. Ils vont aller prendre la première tour du Nexus. Il y a encore 10 secondes. C'est bon, attends, c'est la ouais, game. 20 secondes sur Pyrian, là. C'est la game. Très il n'y a que le Ryze. Est-ce que Seraph peut le faire? Mash en flanking. Il va se faire complètement calmé par Piglet. Oh, il reste Gate, il reste Seraph. Seraph le beurre sur Seraph. Seraph qui tombe, c'est la game. Pour les Team Liquid, les Impulse ont complètement throw. Malgré eux, ils n'auront pas réussi eh bien, à corriger leurs erreurs en teamfight. Ouais, un Proxine qui va prendre un shutdown pour l'honneur, ça ne suffira pas malheureusement. Du coup, les Impulse qui tombent tout simplement à 3-3. Les Team Liquid, eh bien écoute, ils sont à 3-3 également. Deux équipes qui sont sur une égalité parfaite sur une game sur laquelle la logique était complètement absente.
Je sais pas quoi dire. C'est pas possible en fait. Je peux pas commencer à 4-0-4 avec un Ryze contre un tank et perdre comme ça en temps pas lent sur des skills. Les Team Liquid qui gagnent donc et coup d'arrêt pour les Impulse qui montrent un très bon niveau de jeu et qui. Bah, qui go full NA en fait. Hein. Ouais, c'est dur à analyser une game comme ça, je trouve, honnêtement. Bah, il y a eu un throw parce qu'ils savent pas jouer en teamfight. Enfin. Parce que la game était. Ils jouent bien la lane, les gangs sont bons, la prise d'objectif est bonne, les rotations sont pas mauvaises en début de partie. Le call baron, il a rien d'idiot, il le disengage proprement. Par contre, ils savent pas du tout fight. Ouais, pas du tout. Effectivement. Parce qu'ils engagent un fight, ils chopent deux joueurs avec Daily Star, ils se font mind par une dévoration. Sur le mec qui est en train de focus, où il l'envoie du bon côté et t'as Mage qui part du mauvais côté. Enfin, voilà, les Impulse, ils savent juste pas se battre. Ouais, en fait. Les Impulse, c'est super, super désordonné. Bah, c'est un petit peu ce Q-like, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, ça termine tout simplement cette première game de la soirée. Messieurs, on va enchaîner sur un petit NRG contre TSM. Donc, c'est la grosse affiche de ce soir. Ouais, NRG contre TSM, Gone by Mom contre Bjergsen. On a la top lane, on aura Haunter contre Impact. On aura bien évidemment aussi en ADC Double Lift contre Altec. Il va y avoir du sport et Concon contre Yellow Star. Vraiment un affrontement au top dans cette seconde game de la soirée. On va peut-être attendre quand même. Il y a sûrement une interview qui va popper des joueurs qui sont un petit peu. Je pense que les Impulse sont sous le choc parce que c'est compliqué hein, ouais. De faire une game comme ça où t'es devant, où ça te tend les bras. En même temps, c'est pas difficile. Il y a un Kelly, une cage de Lux. Tu l'es vite. Ouais, tu peux pas laisser Seraph en frontline comme ça, c'est trop. Bah, c'est surtout trop qu'il part full AD. AP. Il part full AD, mais complètement full AD, alors qu'il pourrait très bien partir, je sais pas moi, Glacial ou n'importe, hein, en disant bon bah, j'utilise l'itemisation que j'ai d'avance pour tanker, tu vois, ouais. Et être sûr de pouvoir jouer le rôle de frontline. Il se comporte comme s'il avait de la tankiness, alors qu'il joue avec de l'AD, et derrière il se fait détruire le soliner, il a un peu tilt, on le savait, c'est un joueur qui mentalement parfois a des difficultés. Eh bien, ça s'est avéré sur cette partie. Prochaine game, donc voilà, on aura les TSM contre les NRG. Les NRG qui ont perdu hier contre justement les Liquid. Okay, on a Arcosia ? Et il n'y aura pas d'interview, mais du coup on va pouvoir rendre l'antenne. Donc la prochaine game de cette soirée, TSM contre NRG, Gambaimum contre Bjergsen, vous ne pouvez pas rater ça, c'est juste après une courte page de pub. Restez avec nous, à toutes.